Let your rain summer pour, my love is now look, my love now look. Chez un ami, il s'appelle Omar, il a ouvert un restaurant il n'y a pas longtemps. Je me croirais au Sénégal, au Martinique, au Guadeloupe. Et en fin de compte, on est à Bordeaux là. On est au centre-ville, en plein centre, Capucin et tout. On ne se croirait pas, on est au Capucin, au cours de l'Isère. Jacques Canté, bordelais depuis l'époque de Chaban-Delmas. Je suis un ami à Omar Diallo qui a ouvert cet endroit, un endroit qui est chaleureux, convivial et qui manquait justement dans l'espace de vie de, la, de l'espace urbain bordelais, tout simplement, et qui développe à la fois un échange entre différentes personnes culturelles, ethniques, et qui permet aussi des échanges à ma connaissance assez enrichissante. Un espace qui est vraiment sympathique et qui n'a pas son pareil dans Bordeaux. Je m'appelle Michel Barry, je suis native de Bordeaux. Je suis dans le milieu africain depuis fort longtemps, une trentaine d'années, voilà. Je suis fort agréablement surprise parce que c'est un lieu fort convivial où il y a différentes ethnies et des différentes personnes de l'Afrique de l'Ouest, etc., qui sont fort sympathiques, que je connais depuis fort longtemps. J'ai fait également des nouvelles rencontres fort agréables. C'est un lieu très convivial, voilà, et près du centre-ville, donc je pense que ça va être un endroit fort sympathique pour la communauté africaine de Bordeaux. C'est très sympa, vraiment j'apprécie ce qu'elle a fait, Omar, quelque chose de bien, on passe le temps en plein air, on peut fumer des cigarettes ou des cigares tranquilles sans être dérangé. C'est un concept très agréable et je souhaite que ça marche puisque c'est un peu novateur et ça va faire un petit peu la différence par rapport aux autres endroits africains, franco-africains de la communauté. J'espère que ça marchera fort longtemps. Et j'y participerai activement. Les échanges entre les individus, quelle que soit leur situation sociale, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur état d'esprit aussi, parce que c'est très important intellectuellement et politiquement, ça permet beaucoup d'échanges, comme je disais tout à l'heure, des échanges assez enrichissants.